Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec Newcastle dans l'épisode précédent. Ça a été un peu difficile hein, le début de l'épisode précédent parce qu'on a pris 3-0 par Brighton. Après, l'équipe Beast a su s'imposer face à Huddersfield et l'équipe Une a gagné à l'arraché encore une fois contre Watford en fin de match. Dans cet épisode, premier test contre Liverpool. On va voir ce qu'on est capable de faire. On sait que généralement, c'est toujours un peu plus facile contre les grosses équipes, donc on essayera de prendre 3 points. Ensuite, on affrontera Leeds. J'aimerais prendre 3 points aussi. Et on terminera normalement avec Tottenham en coupe. Là, ce sera sûrement l'équipe Beast qui va jouer. Et là, à mon avis, l'équipe Beast, elle risque d'être légèrement juste pour aller faire quelque chose contre Tottenham. En tout cas, on va avancer. On a juste des petits entraînements à faire avant de lancer le match face à Liverpool. Ça progresse, c'est bien. Toujours des petites progressions pour nos joueurs. 2A quand même avec un B. C'est des bons entraînements, c'est bien. C'est bien, c'est ce qu'on veut. Barnes, c'est un profil qui intéresse. Et qui est sur Barnes, c'est Séville. C'est un bon joueur qu'on aurait pu prendre. Et Lyon qui est sur Diop. C'est aussi un très bon défenseur qui connaît bien la Ligue 1. Du coup, nous, on va partir sur le match face à Liverpool. Et on va voir si Luka Jovic va un petit peu se transcender contre une grosse équipe. On sait que nos joueurs, généralement, ils sont meilleurs. Ou c'est plutôt l'équipe adverse qui est plus nulle. Enfin, je sais pas, c'est l'IA qui est bizarre, on le sait. Contre les grosses équipes, donc on va voir ce qu'on peut faire contre Liverpool. On va se donner tous les moyens d'aller gagner. Hein. De toute façon, on joue chaque match pour le gagner. On espère qu'on va y arriver. Ça pourrait être une bonne surprise. Et 3 points qu'on prendrait pas forcément logiquement contre des équipes comme ça, mais c'est possible, ça reste possible et on va tout tenter. Ouais, ça c'est bien, avec Dest. Allez, pourquoi pas pour Dembélé, est-ce qu'il est hors jeu Dembélé, je sais pas. Ah, il est pas hors jeu Dembélé. Dembélé, il va pouvoir aller frapper Dembélé. Oh, il bute! Oh, le premier but du jeune je sais plus, Caramaco? Caramaco, c'est ça, oui. Caramaco Dembélé, j'avais un doute dans son prénom. Mais c'est le premier but. Le premier but, il est contre Liverpool. Incroyable. Dans un angle complètement fermé, il arrive à tromper Alisson. Et il a tenté sa chance. Il a tenté. Non, Caramoco, pas Caramaco, pardon. Caramoco Dembélé. Bien joué de sa part. Très très bien joué de sa part. C'est lui qui va ouvrir le score. Déjà, je pensais qu'il était hors jeu hein, sur l'ouverture. Et finalement, il est là le petit. Hein. Caramoco Dembélé, 17 ans. Premier but en première ligue. Sous les couleurs de Newcastle et c'est contre Liverpool, chapeau. Chapeau là au petit jeune qui tout de suite va mettre en difficulté cette équipe de Liverpool. Attention à ce ballon. Oh, il traîne dans la surface et l'égalisation d'Oussem Aouar. Elle aurait été très rapide. On n'aurait été que très peu longtemps devant au score. Oussem Aouar qui va marquer un joli but. Ouais, ce ballon qui a traîné, généralement c'est ça notre problème, hein. C'est les relances. Alors je vais revoir un petit peu ce qui s'est passé parce que... Alors là il y a le coup franc, ah, ici il traîne une fois et là ici bah, je crois que c'est Van Dijk hein, qui s'impose hein, et qui arrive à donner à Oussem Aouar. Elle est belle la frappe, hein. C'est dur pour Dubravka d'intervenir même s'il n'est pas très loin de pouvoir sortir ce ballon. Et c'est son premier but aussi sous les couleurs de Liverpool, Oussem Aouar. Ça fait donc un partout. Allez, tout est à refaire. Allez, le centre au deuxième poteau. Ah, on s'est gêné. On s'est gêné, mais... Ah non, le ballon, il va revenir vers Naby Keita qui va frapper. Et la parade de Dubravka, mais attention là. On s'est grandement gêné entre Dest et... je sais pas qui d'ailleurs. Entre Dest et peut-être... ouais, j'ai l'impression que c'était un autre petit. Peut-être avec Neuhaus. Peut-être avec Florian Neuhaus. En tout cas, Dubravka qui fait une parade décisive, manquant un corner pour Liverpool. C'est la mi-temps partout pour le moment. On a surpris un petit peu tout le monde en ouvrant le score. Surtout que c'est Dembélé hein, qui a des stats de finition assez dégueulasses, on va pas se mentir. Mais pour l'instant, on fait plutôt un bon match hein, avec 6 tirs contre 5 contre Liverpool. C'est un match assez équilibré. Donc là, on joue notre carte à fond. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Là, on va essayer de continuer comme ça en deuxième période. J'espère qu'on aura des opportunités. Pourquoi pas un petit but de Luka Jovic encore une fois. On sait qu'il est très bon maintenant. Il a juste à prendre confiance, à s'intégrer bien dans l'équipe et ça pourra faire des merveilles. Ouais, Florian Neuhaus, c'est bien ce qu'il nous fait avec Alan Saint-Maximin. Saint-Maximin qui peut donner à Jack. Non, il va donner à Jamal Lewis le centre au deuxième poteau. Il était pour Luka Jovic, ça va être récupéré. Saint-Maximin la frappe. Oh, et finalement, elle est captée sans problème pour Alisson. Une énorme dernière occasion. Hein. Ah, je pensais que ce ballon, il allait arriver jusqu'à Luka Jovic et qu'il aurait pu encore nous donner la victoire.
comme contre Watford, malheureusement, c'est pas le cas et on terminera là-dessus. Hein. Terminera là-dessus quand même un très bon résultat, un partout contre Liverpool. Un match super quand même de notre part. On a fait un bon match. Hein. On a fait un bon match, on était nettement pas favoris et on a fait quand même un match très correct. On a posé des difficultés à cette équipe de Liverpool. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Il fallait s'attendre à un match difficile compte tenu de la qualité de l'adversaire. Pas trop. Hein. Assez bien. Ne veut pas dire bien. Les deux équipes ont bien joué. Ah mince, ok. Je pensais pas que ça allait être négatif. Vous avez toute la seconde 20 pour faire la différence. Un manque de chance, nous n'avons pas d'excuses. Le nul était mérité. Le nul était mérité. En soi, on a fait un bon match. Aouar, ouais, il a été bon. Aouar. Aouar se concentrer sur ce qu'on sait faire. C'est un très bon joueur, on s'aime Aouar. C'est un très très bon joueur. Par contre, j'ai un petit peu niqué le moral de l'équipe. Je pensais pas. Mais bon, on va essayer de se rattraper. Avec le prochain match qui sera contre Leeds. Et là, j'aimerais un match où on domine. Hein. C'est un promu. Après, nous, on n'est pas non plus une équipe extraordinaire. Enfin, du moins, pas encore. Même si on a fait un très bon recrutement. On n'est pas encore cette équipe qui doit faire peur, qui doit faire partie des meilleurs. On va essayer de remonter le moral de l'équipe là parce qu'il n'est pas terrible. Et j'espère que ça va le faire là pour nos joueurs. Joe Linton est en forme en ce moment. Allez-vous l'aligner aujourd'hui? Il faut faire tourner. Il faut faire tourner. On a connu mieux comme début de saison. Ouais, bah oui, votre équipe, bien sûr qu'on peut se relancer. Bien évidemment, votre équipe paraît moins forte que l'adversaire. Attends, votre équipe Leeds paraît moins forte que l'adversaire Newcastle. Ah non, c'est l'inverse. Hein. On doit mieux jouer. On dirait que non. On doit mieux jouer. On doit mieux jouer tout simplement. Et on doit les battre. On doit les battre. Du coup, let's go. On va partir pour affronter Leeds. Et là maintenant, il faut faire un gros match. J'aimerais bien une belle victoire. Tiens, on va jouer en orange. J'aime bien ce maillot. J'aimerais bien une belle victoire. Vraiment, là, une belle victoire où on mène de A à Z. Où on va gagner 2, 3-0. Ce serait pas mal, et pas tout le temps un but à l'arrache en dernière minute, même si l'important avant tout, ce sera les 3 points. Et ça c'est bien joué de la part de Luka Jovic. Oh là là, Dembélé, ça c'est une très mauvaise passe. Elle va nous mettre dans la sauce parce que maintenant Grott est tout seul. Il y a le retour de Dest. Attention, ok, mauvaise passe, on va récupérer. Oh mais non, pourquoi tu t'arrêtes Longstaff? C'est terrible ça. Ça nous met dans la sauce. Ça nous met dans la sauce. La frappe et le but. Oh là 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 là. Encore des erreurs. Pourquoi on fait ce genre d'erreur contre les petites équipes? C'est quand même fou. C'est quand même fou. C'est quand même fou parce que là, on a Longstaff qui fait un appel et il s'arrête. Du coup, la passe comment il s'appelle, de Neuhaus, elle est mauvaise. Et puis derrière, on prend un but par Chuba Akpom. C'est fou quand même. C'est fou que j'ai vraiment l'impression que nos joueurs aussi, contre les petites équipes, ils se relâchent complètement, ils sont moins bons et du coup on est toujours en difficulté. Ouais, Jack Grealish, c'est bien ça. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire avec Jamal Lewis qui est monté. Jamal Lewis pour Saint-Maximin. Saint-Maximin, voilà, là il y a de l'espace, on peut donner à Jack Grealish la frappe de Jack Grealish et le voilà son premier but. Le premier but de Jack Grealish. Yes, j'ai pas compris là vraiment. La défense de Leeds qui a été complètement aspirée peut-être d'un côté parce qu'au centre il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne là. On s'est retrouvé à voilà, 2-3 tout seul. Et du coup là c'est Longstaff qui va donner à Jack Grealish et qui va pouvoir marquer son premier but. J'espère que lui aussi ça va lui faire du bien. Hein, les premiers buts sous les couleurs de Newcastle. Égalisation importante à la 32e minute contre Leeds. Maintenant, il faut aller chercher la victoire. Ouais, c'est pas bon que ce soit Dembélé qui doit aller là sur ce ballon. Ah ouais, parce que ça peut centrer maintenant. Oh mais c'est pas possible! Mais non, mais c'est incroyable, on n'arrive pas à se dégager. On ne sait pas se dégager. J'ai beau appuyer sur les touches de dégagement. Et non, ça veut pas. Là, ici, bim, c'est complètement ridicule. Et là, personne ne dégage ce ballon. Et il peut frapper deux fois comme il peut même s'offrir un doublé. Et on revient pour rien en fait. On revient pour reprendre un but juste derrière. C'est terrible, hein, les petites équipes, c'est vraiment trop dur, c'est pas compréhensible. Attention à ce coup franc, on sait que c'est dangereux ce genre de coup franc. Deuxième poteau! Oh le missile quoi, le missile qui est parti et la parade de Dubravka, heureusement. Ça va donner un dernier corner avant la mi-temps. C'est joué à deux. Ah, il faudrait essayer de récupérer ce ballon et on n'arrive pas à le récupérer comme d'habitude. Allez, bien joué. Bien joué comme ça. La mi-temps peut être sifflée, on est mené 2-1. Ben c'est un peu. Ouais, c'est terrible parce qu'on revient, mais on reprend un but juste derrière. Voilà, on marque des buts, mais ils sont inutiles parce que défensivement, on a encore zéro. Enfin, il se passe que des choses bizarres. On fait beaucoup d'erreurs contre les petites équipes qui font que. On est souvent en difficulté maintenant, deuxième période.
Faut espérer qu'on fasse une deuxième période magnifique et qu'on arrive à planter deux buts au moins, sans en prendre, pour aller chercher 3 points. Ah là là, attention, attention. Ouais, voilà le 1-2 qui est passé facilement. La parade encore de Dubravka. Et heureusement que la tête n'est pas cadrée parce qu'on est un peu incapable de s'imposer dans le jeu aérien. On est en grande difficulté encore une fois contre les petites équipes. C'est ouais, ça commence à être un petit peu relou de toujours être en difficulté contre des équipes que bah, qu'on pourrait battre. Allez, allez, il y a l'appel de Saint-Maximin, c'est bien joué. Allez Alan, il faut finir. Oui Alan, super. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut de la part d'Alan Saint-Maximin. Des bons appels sur le côté. Là, il se retrouve tout seul face au gardien. Il a une belle finition. Hein. Vraiment, Alan Saint-Maximin, ah, c'est un peu une valeur sûre devant. C'est une valeur sûre. Il va marquer son deuxième but cette saison. Alors, on va au moins égaliser parce que vraiment perdre là contre Leeds, ça va piquer. Allez, il va rester un petit peu de temps. J'espère qu'on va pas tout de suite reprendre un but, hein, comme quand on a égalisé la première fois. Il va rester un petit peu plus, un petit peu moins d'un quart d'heure dans le temps réglementaire. Maintenant, on espère qu'on aura encore une petite opportunité, pardon. Et pourquoi pas réussir à la mettre au fond. En tout cas, ne pas perdre. Ce serait bien de ne pas reprendre un but. Ouais, c'est terrible. Il laisse l'avantage pendant 45 minutes aussi. Génial, je vois pas. Je vois pas où je mets mon joueur. Et voilà, c'est but. Et voilà, c'est but parce que j'avais pas la caméra pour voir où mettre le joueur. Et le coup franc. J'ai envie de mourir. Je vous annonce que j'ai envie de mourir. Ah, mais il tire des coups francs. Mais il a tiré côté gardien là. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, c'est moi qui me suis chié. Mais les coups francs, franchement, c'est abusé. C'est abusé les coups francs. C'est ridicule qu'il soit tout le temps au fond quand tu joues en ultime. C'est juste ridicule et on prend un but. Voilà. Là, ouais. Là, ça m'a clairement saoulé. Alors, on récupère quand même ce ballon. Avec Florian Neuhaus. Neuhaus qui va donner à Dembélé. Dembélé. Allez, hors de temps peut-être. Il faut trouver le coéquipier. Le but de Luka Jovic. Merci. On va quand même aller chercher le match nul au minimum. Mais on aurait pas dû perdre ce match. Enfin, on n'aurait pas dû. Au final, il y a un match nul. Je sais pas si on aurait marqué sans le coup franc. Mais. Ah, c'est terrible. C'est terrible parce que. Parce qu'on n'a pas de chance. On n'a clairement pas de chance contre les petites équipes. Bien joué là de la part de Luka Jovic. Qui va marquer un but important, son deuxième aussi pour lui cette saison. Et au moins, on va éviter la défaite. Mais j'ai quand même la mort de ce coup franc. Peut-être que sans le coup franc, on aurait été gagné le match. Allez, l'arbitre, tu peux siffler avant qu'on prenne un autre but. Parce que j'ai l'impression qu'on est condamné à prendre des buts. Voilà, c'est terminé. 3 partout. Ça aurait été un match avec des buts. Mais ouais, le coup franc, là, il me reste en travers de la gorge. Parce que déjà, j'avais pas la caméra pour savoir où mettre mon joueur. Alors là, le seul point positif, vraiment, c'est qu'on a été hyper réaliste. Hein, 3 tirs, 3 buts. Là c'est le seul point positif, mais on a encore fait un mauvais match, hein. On a encore fait un mauvais match, on aurait pu éviter quand même le match nul, peut-être aller quand même s'en sortir avec une victoire, je sais pas, mais en tout cas ouais, le coup franc il était un peu relou de se le prendre celui-là, et je pense que du coup on va s'arrêter là-dessus, je vais simuler le match de coupe, parce qu'il m'intéresse pas de jouer ce match de coupe, et je vous cache pas que je commence à être en PLS, parce que je suis toujours malade quand je tourne, et là on est un petit peu en PLS, je ne vous le cache pas les gars, je vais juste mettre l'équipe bis, hop, j'avais mis Kraft ici on va mettre Ben White, ici on va mettre Kansa, on va juste mettre l'équipe bis, Longstaff, ok, mais ici c'est, comment il s'appelle, il est où le frérot, c'est lui. Jolinton devant, Atsu et Saint-Maximin. On va mettre Murphy et Arroz du coup en MOC. Voilà, ça c'est l'équipe bis. Et on va la faire jouer tranquillement contre Tottenham. On va simuler ce match-là qui m'intéresse pas. Ah oui, je suis un peu saoulé, je vous l'avoue. Un peu saoulé de ce coup franc là. C'est un peu long, on va perdre 2-1. C'est pas grave, on est éliminé de la Carabao Cup. C'est pas grave, ça nous fera moins de matchs à jouer. La prochaine fois, on se retrouvera contre Cardiff. Ça fera peut-être un épisode un peu court. Mais on va se laisser ici. Juste un petit point sur le classement pour l'instant. Pour l'instant, on va être loin de l'Europe. Hein. Ça, c'était évident après le début de saison un peu mitigé. Tottenham qui a tout gagné. City qui est pas mal avec seulement un match nul. Arsenal aussi qui fait un bon début de saison pour le moment. Pour l'instant, c'est West Ham qui est 4e avec Manchester United 5e. Et nous, on est 11e avec 8 points. On a fait 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. On aime bien être cohérent
dans notre irrégularité. Voilà. Je vais y arriver. Et au niveau des classements des buteurs, pour l'instant, c'est Agüero, Aubameyang qui commence très très fort. Et les passeurs, Lanzini et Alexandro. Du coup, on va se laisser ici. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, ouais, ce match, il m'a un peu saoulé. Enfin, surtout le coup franc, quoi. Surtout le coup franc où tu vois pas où mettre ton joueur. Et puis, tu sais très bien que bah, si tu mets pas de joueur, c'est but assuré. Et ça, c'est relou. Parce que même si le mec, il a 50 en coup franc, ils vont quand même te le mettre. C'est encore pour moi une erreur de IS. C'est juste quelque chose d'irréaliste, c'est juste quelque chose de stupide même. C'est clair que à croire que dans le football tout le monde met des coups francs, mais bon. Bref, on va se laisser ici. N'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est aussi toujours le meilleur moyen de me soutenir. Et puis c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens!